travailleuses, travailleurs de tous les pays. L'heure est grave. Le CNB nous ayant appelés à nous joindre à tous les mouvements et mobilisations qui tendent à faire échec au projet porté par le gouvernement, tous les barreaux de France et d'Occitanie et de Bayonne sont en grève dure reconductible. Concrètement, cela signifie que nous prévoyons de bloquer tous les accès aux centres de rétention administrative, de retenir en otage les JLD et les présidents de cours d'assises qui prennent des audiences sans avocat, de publier les noms des confrères et consoeurs qui divorcent les gens en plein mouvement social, de saboter la ligne téléphonique entre les services de traitement direct des parquets et tous les commissariats de T'as pas bon police. communiqué, je crois que t'as pas bon communiqué. C'est pas ça, Merde! on a dit qu'on C'est publiait pas pas. un bon communiqué, on recommence! On a dit que ça on publiait pas. Ok. On n'a pas encore voté, on n'a pas encore voté. Désolé. Travailleuses, travailleurs de tous les pays, puisque notre colère est immense et sans précédent, que notre détermination est sans limite. Nous n'assurerons aucune assistance de personnes gardées à vue ou de personnes amenées au tribunal pour être présentées au procureur ou être jugées au tribunal, et ce, jusqu'à lundi minimum. Ainsi, en garde à vue, nous vous conseillons de garder le silence et de ne faire aucune déclaration tant que vous n'avez vu aucun avocat. Concrètement, vous n'allez pas en voir. Et de refuser d'être jugé tout de suite en comparution immédiate, parce que vous n'aurez pas d'avocat non plus lorsque vous serez amené au tribunal. On vous rappelle que la garde à vue peut durer 24 heures, être renouvelée pour 24 heures de plus. Le décompte commence à courir dès l'interpellation. La personne gardée à vue peut faire prévenir un proche. C'est le procureur qui décide des suites à donner à la garde à vue. Vous pouvez être libéré sans suite ou avec un rappel à la loi. Vous pouvez être libéré avec convocation au tribunal plus tard. Vous pouvez être présenté au procureur de la République et donc déféré au tribunal pour une convocation à une audience, pour une alternative aux poursuites ou pour une comparution immédiate. Si le procureur envisage une détention ou un contrôle judiciaire, les éléments de votre situation personnelle, familiale et professionnelle seront examinés. C'est là qu'interviennent les garanties de représentation. Pour les proches des gardés à vue, nous vous invitons à faire passer par tout moyen utile les garanties de représentation si la personne est déférée au tribunal. Seule la lutte paye, à jeudi dans la rue, samedi aussi.